C'est quoi cette merde? Vous êtes qui, vous? Mais bah les patins sur tête là! C'est fermé! Mes crayons, va! Je peux pas en croire mes yeux! Non mais oh! Mais c'est abusé! Sans déconner, ils viennent même nous faire chier maintenant dans les cimetières! Ça va 2 minutes, la magie de Noël! Est-ce qu'on peut chanter, s'il vous plaît, pour les morts? 2 minutes! 2 minutes! Moi, c'est mon métier, d'ailleurs! Ok? Est-ce que je leur chante douce nuit? Moi, ils dorment, les mecs, et ils sont tous là, ils pioncent depuis des décennies, hein! C'est déjà Noël pour eux, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais oh! Bientôt, ils vont venir à la porte pour me demander des biscuits! T'es fermé! Décembre 1995. On est dans le thème. Joyeux Noël, Martin! Joyeux Noël! Des bisous à ta femme! Ah, c'est à nous. Joyeux Noël, mais il y a des limites. Allez, c'est parti. No lighter in hockey. J'ai aucune notion du temps de jeu. Est-ce qu'il dure 1 heure? Est-ce qu'il dure 20 minutes? Je sais pas. Bonsoir. Oh, Père Martin. Père Martin pour les intimes. I'm glad to see you. And I'm sure we've hired a great guardian. Il est content de me voir. Il est sûr que je serai un très bon gardien. I know that during the first few nights, you might not feel comfortable in this place and maybe a bit scared, but you'll get used to it soon. Sachez que durant les premières nuits, vous risquez de ne pas vous sentir à l'aise dans ce lieu. Et vous aurez peut-être un peu peur. Mais vous allez vous habituer bientôt. Oh, oh Père Martin. This cemetery is the most peaceful place at night. And you'll find enjoyment in the tranquility and silence of this place. Pour ceux qui se posent la question, là j'utilise un traducteur, hein, je traduis pas de moi-même. Ce cimetière est l'endroit le plus paisible la nuit. Et vous y trouverez du plaisir, tranquillité et silence dans ce lieu. Of course, you need to be very vigilant and make sure. Vous devez être vigilant sur le fait que personne ne doit rentrer. You should know that many famous people are buried here. Bien entendu, vous devez être très vigilant et vous assurer que personne n'entre. Sachez que de nombreuses personnes célèbres sont enterrées ici. Buried, c'est pas brûlé. C'est enterré, Kiki. Go to Johnny's to get all the details from him. Eh ben, oh la vache, la carte. Talk to Johnny. Il est où Johnny? Alors on a l'église, security room, fuse, warehouse. Oh, j'aime pas ça. Juste là, j'ai des PV. Ouh, j'aime pas ça. Ça sent mauvais. T'attends la merde, ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, Toltou Johnny, where is the Johnny? Dissection hall. Non, mais attends, par contre, frérot, j'ai pas envie de. N'allons pas n'importe où, hein. J'imagine que c'est Père Johnny. Johnny? Je suis toute petite. Johnny? Oh! Johnny? Bah, pour moi, c'est lui. À moins que c'est juste un monsieur qui vient rendre visite. Monsieur! Ah! Monsieur Johnny? Monsieur Johnny? C'est vous? You must be the new night shift guard. You should know that guarding the cemetery isn't easy. Je vous ai cherché, mais pendant des lustres, hein. Des lustres, et on vous trouve enfin. Enfin! Vous devez être le nouveau gardien de nuit, vous devez savoir que garder ceci,
n'est pas facile, que garder ce cimetière n'est pas facile. Ah bah non, moi on m'a dit sur l'annonce, pas de souci. The cemetery is equipped with CCTV cameras due to the burial of many famous individuals. You must regularly check the cameras and never let anyone in. Ah non. Il y a tout un système de surveillance et tout, j'ai pas envie moi. C'est un cimetière, tu veux que ce soit qui se relève? Tu veux que ce soit qui? Ce cimetière est équipé de caméras de vidéosurveillance en raison de l'enterrement de nombreuses célébrités. Ah ok, de nombreuses personnes célèbres. Vous devez vérifier régulièrement les caméras et ne laisser entrer personne. Tonight, the cemetery has three guests. Due to the time constraints and a lack of proper and secure mortuary around the city, they had to store the bodies of the Ghost Rock group here tonight. Tomorrow, the funeral for these will be held, and you must be very attentive at the cemetery. Mais moi, j'ai pas envie de m'occuper de ça. On m'a dit vous surveillez le cimetière. Mais en gros, les corps devaient être stockés. Les corps du groupe Ghost Rock ici ce soir. Demain, les funérailles de ces trois-là auront lieu, et vous devrez être très attentif au cimetière. Mais comment ça? Mais laissez-les jouer tranquillement, ces mecs. Ghost Rock, c'est quoi? C'est Five Nights at Freddy's? Ça, j'ai pas envie. There's something very important that the priest told me not to tell you, but I'll share it with you. The previous night shift guard died of a heart attack, and we found his body at the church door with a bluish complexion and a terrified look on his face. Je peux me tromper parce que j'ai peu de notions d'anglais, mais je crois qu'il a dit que le prêtre lui avait dit quelque chose d'important, mais il lui a dit de ne pas me le dire. Et la chose en question, c'est tout simplement que l'ancien garde de nuit est mort d'une crise cardiaque. Il a été retrouvé dans l'église et du coup, son visage était terrifiant. Mais c'est trop contente, yes, trop contente. Mais du coup, moi, je vais aller postuler à Action. Ça m'a l'air plus calme en ce moment. Il y a quelque chose de très important que le curé m'a dit de ne pas te dire, mais je veux le partager avec toi. Le gardien de nuit précédent est mort d'une crise cardiaque et nous avons retrouvé son corps à la porte de l'église avec un teint bleuâtre et un regard terrifié. I don't want to scare you, but I thought it's better that you know and stay more alert. If you have any questions or encounter any issues, please contact me. Mais j'ai pas envie en fait. Remember to regularly check the cameras. Non mais c'est bon, là ça va m'énerver, je ne veux pas vous effrayer mais j'ai pensé qu'il fallait mieux que tu le saches et que tu restes le plus longtemps en alerte. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, veuillez me contacter. Pensez à vérifier régulièrement les caméras. Non. Quoi? Revenez! Père Johnny, revenez! Oh là là, il s'est barré. Ah, je suis toute seule là! Oh là là, le saut de canne! Attends, il y a deux véhicules, je suis peut-être pas toute seule. Même si ça ressemble vachement à des véhicules. Ask the guide to get out of the cemetery because open hours are over. Ah, le mec dans le cimetière, faut que je lui dise de dégager. Bonjour monsieur, excusez-moi, vous êtes celui que j'ai pris pour le père Johnny. Alors, sans aucune méchanceté, bien évidemment, hein, je ne me permettrai pas vu ma petite taille comparée à vous. Mais il va falloir partir. Il va falloir partir, monsieur. Monsieur. Bonsoir. Il va falloir... Excuse me, sir. I must ask you to leave this place. This cemetery is closed from 5 p.m. onwards. Excusez-moi, monsieur, je vais vous demander de partir, de quitter cet endroit. Je le suis pour être sûr qu'il part. Partez! Tout droit! D'un pas assuré! Allez, t'es là-bas. Hein. Et bonne soirée, monsieur, bonne soirée! C'est pas son véhicule, ça? Ah, ça, c'est pas son véhicule. Du coup, ça doit être le mien. Je le regarde, le bug, parce qu'à tout moment, il fait un demi-tour. Je regarde, je n'ai pas confiance. Je préviens. Tout
bruit que je vais entendre durant cette soirée, pour moi, ça serait une chouette. Ni plus ni moins. On est en plein extérieur, regardez, il n'y a que ça. Des oiseaux, des branches d'arbres, tout est fait pour qu'il n'y ait que de la chouette. Tous les bruits ne seront que des bruits ambiants. Ensuite, close the gate, ok. Donc maintenant, je dois fermer la porte du cimetière pour que personne ne puisse entrer. Jusque là, ils m'ont pas précisé si je vais m'enfermer dans le cimetière ou à l'extérieur. Là, je ferme la porte depuis l'extérieur. Ah, je peux pas. J'ai essayé. Ça y est, on est nerveux. Entrer dans la security room et checker les caméras. Donc security room, où est l'entrée? Bon, on va regarder. En fait, ça fait un long passage. Ok, ok, j'ai trouvé. Long passage, puis ici. Donc nous, faut pas aller là. Faut aller encore un peu après. Ici. Ok, la security room, c'est là-bas. Tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. On va fermer la porte, on va beaucoup boire. Et ça se passera très bien. Un petit réchaud. Oh, qu'est-ce qu'on est bien ici, hein. Oh, bah dis donc. C'est de pire en pire, là. Il y a un endroit où il y a un problème. Il y a une fuite. Il y a une fuite, il y a une fuite. Attends, mais ça a l'air super grand. Donc il y a une fuite. Voilà. Examinez la pompe. Ok, ça me donne pas... Pour autant, l'objectif... Sur la carte. Où est la pompe? Caméra. Have you ever heard the cries of... Attends, quoi? Mais ça y était pas, ça. Le cri du démon, là. C'est quoi cette merde? Vous êtes qui, vous? Mais bah les patins sur tête là! Tu es fermé! Mes crayons, on va! Je peux pas en croire mes yeux! Non mais oh! Mais c'est abusé! Sans déconner, ils viennent même nous faire chier maintenant dans les cimetières! Ça va 2 minutes, la magie de Noël! Est-ce qu'on peut chanter, s'il vous plaît, pour les morts? 2 minutes! 2 minutes! Moi, c'est mon métier, d'ailleurs! Ok? Est-ce que je leur chante douce nuit? Moi, ils dorment, les mecs, hein, ils sont tous là, ils pioncent depuis des décennies, hein! C'est déjà Noël pour eux, hein! Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais oh, bientôt ils vont venir à la porte pour me demander des biscuits. T'es fermé. Merde à la fin. Ils sont chiants ceux-là. Oh merde. Qu'est-ce qu'il fait par terre lui? Il a jamais été par terre? C'est comme les animatroniques, il va commencer à se réveiller. Il a jamais été par terre, le frérot. Ah, qu'il a jamais été par terre, hein. Si je puis me permettre. J'ai pas envie d'y aller au truc de dissection, là. Après, à tout moment, ils ont mal posé le corps. Hein. Le mec, il a glissé. Hein. Il était posé. Tu sais, ça va vite des fois. T'es posé sur le coin du lit. Tu te mets mal. Paf! Tu glisses.
Oh là là, bah j'ai pas... Franchement, je ferme la porte, mais je suis trop conne. Y'a quelqu'un? Mais comment est-ce qu'il y a quelqu'un? Bah non, putain. Ce qui serait inquiétant, c'est qu'ils disent oui, ouais. Y'a quelqu'un? Il est mort. T'as pas réussi. Excusez-moi, c'est le stress. Ah oh, mais je le soulève comme ça, y a pas de souci. Allez hop, Martin, tu reviens là, hein, et tu bouges pas. Ok, on retourne à la security room. Tu fais pas le con, Martin, hein. Sans déconner. T'as mon travail entre tes mains, hein. Là, si tu retombes comme ça, on fait comment? Après, moi, je suis accusé de pas faire mon travail. Y a des gens qui sont rentrés et qui ont foutu le sbeul. D'accord? Donc, à la limite, je te sangle, hein. Y a des petites sangles, je te sangle les petons, je te sangle les mains. Tu vas plus jouer de musique, je te le dis. Qu'est-ce qu'il a, le cadre? Le cadre, le cadre. Qu'est-ce qu'il a, le cadre? Je le dis. Je le dis entre vous et moi. On n'est que très peu. Entre vous et moi. Il y a des fantômes dans le cimetière, c'est sûr. Le cimetière est habité par une entité. Je ne sais pas encore laquelle. Je suis pas bien. Un démarcheur téléphonique. Mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible, je suis chez Orange, c'est très bien. Oh. Ah, putain. Oh, je suis tendu, je vais m'énerver. Stop, là. Stop. Quand elle va partir, c'est là, je peux te dire, là. Ouh, tu vas la voir, tu vas la voir. C'est pas possible, encore un démarche. Ouh, tu vas voir, bouge pas, bouge pas. Je vais commencer à m'emmerder. Non, 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 non. Oui, oui, je vais lui dire de partir. Ouvre-moi ça. Salaud. Allô? Fallait peut-être lire cette lettre. Des fois, vous savez, il y a des jeux, si tu ne suis pas ce qui se passe dans le jeu, ils n'aiment pas trop ça. Hein. Je suis l'ancien gardien de sécurité de ce cimetière et je laisse un message au prochain gardien ici. Entre 3h et 4h du matin, vous allez voir une religieuse très effrayante du côté est du cimetière, debout au-dessus d'une tombe. Mais... je n'ose pas m'approcher... Ah non, ne vous approchez pas d'elle. Ses pleurs sont intensément étranges et dérangeants et insupportables. Mais ça a pleuré un peu tout à l'heure, non? Ok. On a récemment trouvé une solution qui peut rendre sa voix un peu plus tolérable pour vous. Chuchotez simplement « Jésus-Christ » 20 fois. Nous ne savons pas qui est cette religieuse, mais nous sommes certaines qu'elle n'est pas humaine. Et si je lui dis « Joyeux Noël », peut-être que ça lui fera plaisir à cette femme. Mais quoi? Mais... Y a un mec devant?
faire dodo? Oh putain. Oh, je vais crier. Quelqu'un connaît la durée du jeu? Si vous tapez le nom de ce jeu sur internet, quelqu'un connaît la durée? Attends, mais quoi? C'est quoi ce bordel? Attends, c'est quoi ce bordel là? Attends, mais je me réveille combien d'années après, là? Ou je suis peut-être l'ancien gardien, je sais... Oh là là. Ah! Oh putain. Oh, c'est sûr qu'il y a... De toute façon, il y a quelqu'un dans le bat. On n'est pas trop con, il y a quelqu'un dans le bâtiment. Et voilà. Putain. Bon, sûrement la flashlight, voilà. Oh, je vais me chier dessus là. Ah, je peux pas, hein. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Non mais je vais me faire dessus là. C'est pas possible, on peut couper. On peut couper les bruits, on peut tout couper là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Fan de Fuse, c'est bon, on t'entend pas les bruits, mon con, là, depuis tout à l'heure. On va se barrer, non? On va se barrer, peut-être?
La bagnole qui gueule, les bruits, les cauchemars bizarres, le mec devant, le tableau qui change, Martin qui tombe par terre alors qu'il est mort, il meurt le con. Ça te suffit pas? On va continuer de faire les sourds? Je vais péter un câble, je vais tout péter. Ça va partir! Photo album, ça c'est photo album? C'est pas photo album ça. Hein. M'énerver. Fuse. The fuse has blown. Find the fuse. Je vais me chier dessus. Je démissionne. Je démissionne. Ah bah ça y est, ils ont été kidnappés. Mais t'entends ça sur ton lieu de travail, tu paniques pas, mais franchement, qui panique? Tout le monde panique. Tout le monde panique. Tout le monde. C'est impossible là d'être dans la vraie vie, ça t'arrive. C'est impossible d'être calme. Il y a les sachets par terre, les sachets de sapin là, ils sont vides. Non mais par contre faut arrêter. Non mais putain mais je peux plus moi. Je peux plus hein. Attends, je sais plus où c'était. Putain. Ça y est. Le 4 n'était plus là. Il a se faire foutre le 4. Il a se faire foutre. J'ai peur. Je panique. Ça y est, je panique. Je fais quoi? Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ah, je suis en panique. Je fais quoi? Je me fous dans un coin. Attention. Je meurs. J'en peux plus, c'est un coup du tableau. We will not. Ah, on sera pas enterré ici. Mais y'a pas de soucis, barrez-vous.
Je peux pas, j'ai mal au ventre, j'en peux plus. J'ai mal au ventre, putain. Ça va péter. Ça va péter, j'ai mal au bide. Mais j'ai mal au ventre. Il me faudrait une crowbar que je pète tout ça là. Ouh. Je zoome là, on sait jamais, on sait jamais. Oh putain, non mais je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi? Respire, 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 ça va, tranquille. Il y a rien, il y a rien. Bon, respire parce que là... Non mais le bruit ambiant et tout, je peux plus là. Find a way out. Là, il faut que je me barre. Il faut que je me barre. Ah! J'ai bien réfléchi et je pense qu'on va rester là. Ça s'appelle de l'adrénaline. Je crois que c'est ce qui m'a pris. J'ai eu une petite poussée d'adrénaline pendant 10 secondes, mais c'est redescendu, ça va mieux. On va rester là. Je me dis que c'est préférable. C'est juste un petit coup, ça arrive des fois. Tu prends un petit truc, ça, petit coup d'adré, mais c'est bon, ça va mieux, c'est redescendu. Je vais rester là. Il fait bon vivre, il fait bon vivre hein, en ce moment. Non, c'est bien. Ici, c'est pas mal. Ouais, find the way out, c'est pas mal. Hein. Hello, Mr. Johnny. There's a problem. Monsieur Johnny, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? I just realized that the bodies are not in their place. What should I do? Les corps ne sont plus à leur place. Qu'est-ce que je dois faire? Mr. Johnny? Monsieur Johnny, est-ce que vous m'entendez? Oh merde! Can you hear me? Oh, Jesus. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus.
Non, mais je pense qu'à un moment donné, faut laisser les gens tranquilles. À un moment donné, moi, je pense qu'il faut lâcher du lest. On a souvent tendance à dire ça avec les parents, tu sais, vis-à-vis de leur enfant. Oh, Martine, lâche du lest. Lâche du lest quand même avec ce pauvre Martin. Laisse-le regarder son petit dessin animé 5 minutes de plus, tu vois. Lâche du lest. Bah là, qu'il ira, lâche un peu de lest avec les fantômes. Tu les fais chier constamment. Tu les emmerdes, ces pauvres gars. Alors que là, ils creusent. Ou ils... Mais peut-être un coup à la tête de quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Mais laisse-le faire de toute façon. Hein. Il est trop tard pour intervenir. Hein. Donc bon. Et puis, Isastro, il fait des travaux manuels. Ouais, dans un petit cimetière, c'est rien de bien... Rien de bien choquant. Oh, nos signales. Bah yes. Je suis censé aller voir le mec qui est en train de mettre des coups. Allez, comme on dit, Boinger Games. Attendez, je me chie dessus. Je panique. Je suis en pleine crise de panique là. Il est où l'autre con ? Excusez-nous, vous n'avez pas le droit. On n'allume pas un feu ici comme ça, puis quoi encore? Ça allume des feux maintenant? Oh là là. Oh là là. Oh! Look what devil has do. Que veut dire look? What? Look what devil? Donc, ok, mais has do, je sais pas ce que ça veut dire. Que veut dire Regarde ce que le diable a fait. Escape from the graveyard? Comment ça? Mais comment ça? Mais comment ça? Mais tu te rends compte que maintenant? On est foutu, hein. Bah ouais, mon con. Bah ouais. Bah oui. Bah oui. Et bah voilà. Le loquet a changé. Bah oui. Bah oui. Et puis il y a du monde, hein. Il y a du monde. Si c'est encore pour la chorale de minuit, c'est pas la peine. D'accord, petit Papa Noël, ça va 2 minutes. Allez, bah, retournons à la security room, hein. Excusez-moi, vous m'en voulez pas? Hein? Tous en cœur. Petit papa... Vous revenez le 24, d'accord? Puis avec des petits chocolats. Que ce soit un peu plus festif, parce que là, tout le monde fait la gueule, mettez des bougies, quoi, parce que... Et je coupe ma respiration et tout, tellement je suis stressée, faut que je me calme. Hein. Quand on aime Doubichou, on aime Clou Comaco.
J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus, je suis à bout. Non mais là je peux plus. Moi je suis en train de péter un câble. Maintenant il y a Samara qui est à les 4. Si vous avez pas la rêve du Doubichou, c'est que vous avez pas vu le Père Noël est une ordure. C'est une rêve au Père Noël est une ordure. Ok, il y a quelqu'un dans l'église. Je ferais mieux d'aller regarder. Bah non. J'ai regardé The Ring, j'ai regardé The Grudge, je sais comment ça finit. Franchement, pas besoin. Hein. Écoutez, je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais... J'en peux plus. Je suis à bout. J'ai vu le film il y a quelques jours sur Netflix, je suis à bout. Y'a quelqu'un? Oh putain, alors là... Je sais même pas si c'est une bonne idée de fermer la porte, tu vois. Cher Père Noël. Nous, les personnes enterrées dans ce cimetière, avons un message pour vous. Depuis des années, un démon est enterré ici et il tourmente nos âmes. Maintenant, tu es condamné à détruire le démon dans ce cimetière et de nous sauver du tourment. Sinon, une mort cruelle vous attend. D'accord, donc moi qui n'ai rien demandé, je dois sauver les miches à tout le monde. Je suis désolée, au bout d'un moment, il est 23h49, j'ai un petit creux. Moi, j'aimerais bien les bouffer, d'accord? J'ai jamais dit que je devais aller sauver la moitié de la population et qui était sous terre. C'est pas moi qui ai décidé ça, hein. Merde. Toujours comme ça. C'est toujours les mêmes. Et ben voilà. Follow the footprint. Alors, tout... Alors, attends. Tout commençait super bien. Il a marché dans... Cette merde, on dirait que t'as fait une pâte à gâteau et qu'il a marché dans la pâte à gâteau. Il a trois pieds, le frérot. C'est vrai qu'il a trois pieds. Je m'attends... Mais ouais, ça m'a pas choqué, j'avoue. C'est vrai, ça, putain, je regarde depuis tout à l'heure. Ça m'a pas choqué. Ouais, bah écoutez, plus rien ne me choque, hein, faut croire. Attends, attends, attends. J'ai moins rigolé d'un coup, là. Oh non, c'est dégueulasse. Ça va. J'ai reculé de fou. Putain, j'ai cru qu'il y a un truc qui m'avait touché les jambes. C'est ma robe qui a glissé. Oh, elle a glissé. Quelle angoisse. Oh bah, chercher la tombe sous terre là, j'ai pas besoin moi. Hein. Non, mais bah non, 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 non. Démerdez-vous.
Il m'a fait peur. Putain, qu'est-ce qui m'a fait peur? Bah, j'imagine que c'est là où il est. Il m'a fait super peur. Johnson. C'est les catacombes ou comment ça se passe là? William or Brinton family, youngest child, ok. Moi, j'imagine que c'est ça le merdier. J'ose pas me retourner. J'ose pas me retourner. Je pense que vu comme c'est ouvert. Attends, je suis trop stressée, ça va pas. Tu veux que ce soit laquelle? Non mais sans déconner, filez-moi un dessin, un truc, parce que là... Je comprends pas. William. Ah, William, il est là, hein. Quand j'y étais, oui, c'est le même endroit. À moins qu'il faut que je sorte. Non, attends, c'était pas le même endroit. Et je fais quoi maintenant? Une bise? En fait, il faut pousser de plus côté. Putain, bah alors celui-là, c'est tout en camon ou quoi? Il y en a un, tu vas voir que ça va être un monstre, mon pote. Ah, je le sens pas. On va lire la petite lettre, ça va nous faire un peu de bien quand même. Bah, c'est toute sa vie en essayant de rencontrer le diable jusqu'au jour où il fut possédé par le diable et a commencé à tourmenter et massacrer des gens. Au bout d'un moment, il fut tué par le policier. Son corps a finalement été enterré dans un tombeau protégé sous terre, entouré de croix et des vers sacrés. Kilas était un homme très sage et homme de bon cœur. Le diable a pris son corps. Oh là là. Et son âme. Ouais, bah Kilas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de peau, c'est pas de peau. C'est des trucs qui... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon grand dadé, quoi? Parce que pour moi, c'était ça. Hein.
C'était ce truc-là. Oh. Fallait juste cliquer au bon endroit, Kiki. Ok, les lumières sont allumées. Il y avait quelqu'un aujourd'hui ici. Super. Oh bah, hey, on va péter un gros coup de hache. Oh le con. Moi je pense que c'est une connerie de faire ça. Ah bah, hé. Comment libérer le démon? Bonjour, excusez-moi, vous êtes le démon? C'est vous? Monsieur Elias? Mais il ressemblait pas au monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Il ressemblait pas fortement au monsieur de tout à l'heure, lui dis donc. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Elias, bien que le diable ait possédé votre corps et âme dans ce monde éphémère, à partir d'aujourd'hui, vous reposerez paisiblement dans un sommeil éternel. Le Seigneur te garde loin du diable, Elias. Que le Seigneur pardonne vos péchés et place votre âme en paix. En paix, 1917. Hein. D'accord, bon bah j'ai cramé le bazar. Hein. Ok, partir d'ici. Partir un jour. C'est sûr que ça va me sauter dessus. Ça va me sauter dessus. Puis pourquoi il y a une touche pour un pistolet, tu vois? Pourquoi est-ce qu'il y a une touche pour un pistolet? Pourquoi est-ce que j'ai des PV? Pourquoi? Je vais jamais le quitter, ce cimetière de merde. Hein. Je vais jamais m'en sortir. Hein. Retourne à la security room, mais franchement... Allez vous faire foutre! J'en peux plus. Mais t'es con, quoi. J'ai entendu pleurer, tu crois que c'est le moment d'y aller? Non, non, c'est les pleurs de la nonne. C'est la nonne! C'est la nonne qui chouine! Vous l'entendez pas? C'est la nonne. Pourquoi ma lumière, elle s'est coupée? Bon. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Bon, on va aller voir la nonne. Excusez-moi, madame, c'est vous qui pleurez comme ça? Ah, je me doute, hein. Je me doute, ça pleure, ça pleure. C'est vrai qu'en ce moment, on se rate pas mal tout ce qui est... Oh, j'arrête. J'essaie de blâmer. Les temps sont durs, les temps sont durs en ce moment. Le froid, le... Plein de choses, les temps sont durs. Je comprends votre désarroi. Si je puis me permettre, hein, une bonne petite tasse de thé et un petit... Je m'attendais pas à ce visage-là. Je crois que j'ai cramé la mauvaise personne. Hein. Qu'est-ce que je fais? Oh, je m'attendais pas à un visage comme ça, dis donc. Qu'est-ce qu'elle était vilaine? Ouais, bah je crois que le gun, on sait pourquoi ça va... Enfin, si on a le gun, on sait à quoi ça va servir. Fume la nonne, voilà.
Putain, c'est moi qui ai ouvert la porte. Mais y a pas à faire ça là. Arrête. Bon, allez, j'arrive plus à fermer le loquet. J'arrive plus à fermer le loquet. J'arrête. J'arrive plus à fermer le loquet. Un pilote qui continue, ça suffit maintenant, Martin. Mais y a... Oh, mais y a tout le monde. Mais tout le monde a été relâché. Hein? Bah attends, mais lui, on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est le mec. C'est le mec à qui j'ai dit de partir. Non, bah là, c'est fini. Mais y a tout le monde, allez. Y a tout le monde, allez. Oh, bah. Ah bah là, moi je peux plus. Ah non, bah c'est bon, là je... Là moi j'arrête, hein. Bon, après techniquement, je pense que j'ai libéré toutes les âmes. Et que... See you in the hell. On se voit en enfer. Ouais. Le démon n'a pas brûlé. Il peut pas brûler le démon. Ouais. Oh franchement, Leave the Area. Est-ce qu'on peut encore parler d'un Leave the Area? Est-ce qu'on peut dire clairement, tu peux partir? Je ne crois pas. Je crois pas, je pense que là il faut se contenter de ce qu'on a et voilà, cette petite bicoque me convient parfaitement. Même la croix elle s'est mise dans l'autre sens, elle a dit moi écoute, je veux pas de problème de quiproquo, ils m'ont menacé de me brûler, je suis mis comme ça. Là j'ai quand même l'impression qu'il y a Martin qui est en train de creuser. Bah là bah c'est Martine, on la reconnaît bien, ma petite Martine, mais oui, bah qui sort du lit. Qui sort du lit. Georges, on le présente plus assez. Qui se balade. C'est son petit dada. Ah ça la voiture. Et problème de batterie, tout ça, tout ça. Là, on a Michel. Michel, hein, qui porte son masque Covid. Gérard. Gérard toujours là, toujours présent. On commence à bien connaître la clique. Oh puis là, les Dalton. Hein. On les connaît bien. Alors, Freddy, Bonnie et Foxy. Voilà. Tout simplement. Et puis là, bah, les Backstreet Boys, bien évidemment, le classique qui nous dit, avec leur meilleur titre, on se revoit en enfer. Voilà. Voilà. Sans oublier le titre, Devil Does Not Burn. Ah, ça, c'était un titre phare aussi. Hein. Non, mais on va... Franchement, quittons la bicoque. Je pense qu'il y a une interaction que j'ai pas faite. Ah, me défenestrer. Je me disais aussi, c'est une interaction qui manquait. C'est vrai. Franchement, mec. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, c'est une bonne claque dans la gueule des fois, ça part et puis ça part, c'est tout. Ah bah j'ai pas de flashlight. Ok. Où suis-je? Je suis mort? Super. Non bah là je me suis fait enfermer quoi hein. Non, mais voilà. Voilà. Tout ça pour répondre à Pôle emploi. Payer de misère. Un petit travail pour vous. 35 heures. Pas dégueulasse. Vous allez voir, c'est plutôt calme. Ça colle bien avec votre profil. Je leur ai dit, à mi-temps pour le moment, à mi-temps. Ils m'ont répondu, Justine, à plein temps quand même, c'est mieux.
Quand même, hein. Quand même. Franchement, j'aurais dû leur dire d'aller se faire foutre. Hein. Franchement, laquelle je choisis Plouf plouf, ça sera toi que je vais prendre en première. Au bout de 3, 1, 2, 3, L. Et puis j'ai pas pris le plus dégueulasse. Hein. Bon, bah, apparemment, c'est pas ça. Moi, j'aurais pensé à lui parce qu'il y a une espèce de brume au-dessus là. Bah bonjour, ça va? Vous allez bien? Qu'est-ce qu'on se caille ici? Il y en a pas un qui voudrait me sortir entre vous deux, hein? Je me dis, attendez, je vais regarder là-haut. Ah! Bonsoir! Qu'est-ce qu'il fait? Ça tremble, hein. On a les pétoches? Non mais ça va aller, hein. Non mais il y a tout le monde qui me regarde là, c'est le... Ah! Attends. Non. Oh! C'est le mec de tout à l'heure! Monsieur! Monsieur! C'est moi qui vous ai brûlé, je vous ai libéré! Apparemment c'est ce qu'il fallait faire, hein. Ils me disent au revoir. Ah non mais je crois que ça y est, c'est fini pour moi. Ah je pense que là c'est un aller sans retour, hein. Non mais je pense que comme on a souvent tendance à dire, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Monsieur ? Monsieur ? Vous vous souvenez de moi ? Mais tu vois leur ombre à chaque fois. Bon, par contre, tout le monde va me laisser là-dedans, là ? Personne va me filer un coup de main ? C'est dégueulasse, ça. Hein ? Moi, je vous ai aidé, hein. Vous m'avez demandé de l'aide, je vous ai aidé, moi. Vous m'avez dit, faut cramer Martin du quatrième. Je m'en suis occupée. Et maintenant, vous me lâchez ? Bah... Ah non, ça, c'est dégueulasse, hein. Ah bah alors ça, si tu peux me permettre, c'est dégueulasse. En plus, j'ai pas de flashlight et il fait tout noir ici. C'est pas gentil. Mais où est-ce que je dois aller? Pour moi, c'est lui, hein. C'est le seul qui bouge vraiment. Oh putain. What? C'est Walking Dead ou quoi? Bonsoir tout le monde. Attends, c'est bizarre. C'est comme si j'ouvrais les portes de l'enfer, tu sais, que je rentrais, ou j'ouvrais des portes d'un abattoir, tu sais. Et tout le monde me regarde. Mais... Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Attends, mais il fait tout noir ici. Oh non. Il y a une cassette.
Hello dear viewers, today's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there as it torments them. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of the demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible, and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again, and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. Attends, c'est moi qui suis morte, là? C'était mon histoire, là? Ah non. Don't look at up. Je crois que ça veut dire ne regarde pas au-dessus. Ok. Donc ça se trouve de le prendre là, ça va faire proc. Job done for one night? Derrière toi? We have to derrière put out the fire as soon as possible. Derrière toi? Girl, get me the fire extinguisher. Bah, je vais aller prier, hein. Oh! Apparemment, je suis pas toute seule à aller prier. Bonjour, mesdames. Vous allez bien? Oh bah. Bonjour. De pire en pire. Tu as déchaîné le diable, tu mérites la mort. Seulement grâce à ton sacrifice, les âmes ici trouveront délivrance du diable. Et je suis morte dans l'église comme le mec. Le mec, il était mort à la porte de l'église. Ah. Attends, c'est un cauchemar? Mais attends, mais quoi? C'est un cauchemar en fait ce que j'ai fait. Mais attends, mais what? Attends, mais c'était un rêve? Oh là là, attends, je le sens pas. Il est où le curé? Faut que j'aille voir le prêtre.
Attends, mais t'imagines pas comment je me sens bien d'un coup? Il fait bon, il fait chaud. Attends, j'arrive plus à reconnaître. Alors par contre, je me suis tellement habituée à jouer de nuit que je sais plus me... Ah, c'est bon. Monsieur le... Le prêtre! Bonjour, bonjour! Oh là 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 là, j'ai fait un cauchemar horrible. Oh! Un truc, j'ai rêvé que j'étais morte. Comment s'est passée votre première nuit dans le cimetière? I think you'd agree that being the guard in this place revitalizes the human spirit. Ah, je me suis sentie... Ah mais putain, mais tant mieux. Attends, mais je me casse. Bonne nuit. Je peux partir. Mais j'imagine c'est ça ma caisse. Mais c'est magique ce qui se passe. Mais c'est magique. Je m'en veux là. Là, j'ai le droit. Je m'en vais. Il m'a fait un fuck. Oh non, me foutez pas une araignée sur la route, hein. Oh, je me casse et je reviens plus. What makes a woman hang her weary head and cry? What makes a woman? Il va se passer une dinguerie. Grosse dinguerie sur la route. When she starts to tell her only loving man goodbye. A woman is a woman all over the USA. Hey, hey, hey. Oula. A woman is a woman all over. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh! Je vais finir par cramer. Bah bon. Il va être là. Oh, ça va hurler. C'était sûr. Donc en fait, à la fin, on meurt. Bah c'était pas mal. Pour un jeu à 6 balles, c'était pas mal. Vous en avez pensé quoi? Oh, j'étais content, je me suis dit à la fin il y a une happy ending. Je me suis dit en fait il y a une happy ending, tout ça c'était qu'un cauchemar, bah tant mieux, et puis maintenant on peut se casser quoi.